Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé. Ce soir, chez vous, de retour, Perry Cochard, Christophe Alévèque, Pierre Bénichoux, Christine Bravo, Elsa Fayère et Jean-Luc Lemoyne. Après une semaine de best-of, puisqu'il devait y avoir des matchs de tennis tous les soirs la semaine dernière, mais ils jouent pas assez longtemps, les joueurs de tennis. Alors finalement, on nous a vus quasiment tous les soirs. Alors là, c'est pas un best-of ce soir. J'ai pris les pires pour faire cette émission. Perry Cochard, par exemple, un peu plus âgée maintenant, puisqu'elle a fêté son... On peut dire l'âge ? Bien sûr. Sans rire. 52e anniversaire. Mon 62e, tu dis combien ? 52. J'aimerais bien savoir, je te situe, alors tu vois, je ne sais pas du tout ton âge. Je dirais vous n'étiez pas invité à l'anniversaire ? Non, ça commence. Je dirais, vas-y. Thierry, comme ça, hein, 34. Allez, toi, bien joué. Toi, tu as envie d'être invité la prochaine fois. 40, ma chérie. Je ne l'ai pas. Il y a plus important que les petites histoires de chacun. Évidemment, hier, les Français ont voté. On va en parler. C'est la photo du jour, évidemment. Et cette photo, c'est celle du président Chirac avec un non à 55% pour son référendum sur la Constitution européenne. C'est un nouvel échec électoral pour le président. Il est tellement doué pour les revers qu'en 2007, c'est pas à l'Élysée, c'est à Roland-Garros qu'il faut le présenter. Alors avec un tel résultat, c'est maintenant certain, le Premier ministre devrait être, normalement dans les jours qui viennent, redélocalisé pour le Poitou-Charentes, où là-bas, il pourra prendre son lundi de Pentecôte 365 jours par an, puisqu'après la vésicule biliaire, c'est son job qu'il va se faire retirer dans les jours qui viennent. Je vais vous laisser commenter après, hein. Et alors évidemment, si le Premier ministre a de nouveaux problèmes de tuyauterie après la vésicule, eh bien, il pourra toujours essayer de trouver un plombier polonais pour pas cher, mais ça va pas être facile maintenant. Aïe, 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 aïe. Dans le temps, lui, le grand perdant, outre Chirac, c'est évidemment François Hollande, hein, qu'on voit ici sur cette photo, aux côtés de Lionel Jospin, à qui il demande s'il reste une chambre dans la maison de retraite de l'île de Ré. Le grand vainqueur du non à gauche, c'est évidemment Laurent Fabius, qui hier soir a discrètement savouré sa victoire. Bon, c'est pas qu'il était vraiment contre la Constitution, en fait, Fabius, mais il a vu le non arriver avant les autres. C'est pour ça qu'on l'appelle Nostra Fabius. C'est le Paco Rabanne de la gauche, Fabius. Alors... on n'est pas pour autant certain qu'il prendra la direction du Parti Socialiste, mais au moins, on pourra lui installer une roulotte sur un boulevard avec une boule de cristal et du marc de café. Il devrait faire des clients. Alors, je peux te dire que Hollande, Hollande ce matin... a annoncé clairement qu'il n'était pas du tout prêt à lâcher son fauteuil pour Fabius, qui a foutu quand même la merde au sein du parti. Pierre ? Non, je trouve que c'est une analyse politique très, très fine que vous avez faite là. Mais bien sûr, non, sous couvert de rigolade. Toi aussi, tu veux revenir dans le projet. Non, mais c'est pas fini. C'est vrai que Fabius a vu arriver le nom et qu'il s'est mis dans le camp du nom. Oui. C'est pas ce qu'on appelle tellement le courage politique. Quant à Hollande, il a montré un exemple de dignité formidable. Il était très bien hier. Très vous bien. Avez remarqué, Laurent, que je n'ai coupé la parole à personne. Non, non. Tu vas savourer ta victoire. Ayons le triomphe modeste. Attendez, attendez, votre tour va venir. Non, d'abord les perdants, après les gagnants. L'autre grand perdant du oui, c'est quand même celui qui nous a répété avoir rédigé cette Constitution européenne. On l'oublie, on n'a pas entendu hier. Oui, c'est VGE, hein, qui veut à la fois dire vilain gadin européen et Valéry Giscard d'Estaing. Les Français lui avaient déjà dit non en 81. 24 ans plus tard, il se reprend une claque. Heureusement qu'il a été élu à l'Académie française, parce qu'aux séances du dictionnaire, quand il arrivera à la lettre R, il comprendra peut-être enfin la définition du mot retraite. On en arrive à votre camp, mon cher Christophe Alévèque. Dans le camp du non, il va maintenant falloir savoir quelle Europe pouvoir construire avec Laurent Fabius, José Bové, Jean-Pierre Chevènement, Jean-Marie Le Pen, Philippe de Villiers, Marie-Georges Buffet, Christine Boutin et Olivier Besancenot. Si on mélange les huit, on a une sorte, écoutez bien, on a une sorte de femme, hein, voilà, chauve, avec des grosses moustaches, avec un œil de verre, qui fait du vélo en facteur, en Vendée,
alors qu'elle vient à peine de sortir du coma. Eh ben, regardez, ça fait un drôle de monstre, quand même, l'Europe. Hein. Oh, horrible. Alors, les mecs, à qui sont les dents? Non mais, je il voudrais... dit quoi, le camp du non? Alors, je vais te répondre tout de suite. C'est avec des arguments comme ça que vous avez totalement foiré. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette tête-là, c'est peut-être le visage de la France, mais ça ne va pas durer. Bon, alors, ce que je voudrais dire, ce ne sont pas des élections. Ce n'est pas une élection, c'est un référendum. C'est-à-dire, c'est la foire d'empoigne où chacun vient dire « Alors, ça ne va pas pour moi !» et où on trouve des alliances. Vous qui êtes d'extrême-gauche, je pense, vous êtes avec Le Pen, avec machin. C'est donc, ça montre bien que ce n'est pas une élection, c'est une foire d'empoigne où chacun dit « la 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 ». Enfin, un peu ouais, pire. Je ne veux pas parler des autres. Simplement, tout ce que je peux dire, quand j'ai voté, j'ai fait un choix de société. Je ne veux pas de la société qu'il y avait dans cette Constitution. C'est tout, voilà. Mais moi, je suis mais très... Vous êtes maintenant très optimiste. Pardon, Christophe Alévèque, mais tout le monde vous a expliqué, on l'a dit et redit pendant la campagne, que vous n'avez pas voulu ce qu'il y a dans cette Constitution et vous retombez dans le traité de Nice, qui est pire que la Constitution que vous avez aujourd'hui. Je signale que si la Constitution avait été votée, elle n'aurait pas été appliquée avant 2009. Il se passe 4 ans. Je peux dire qu'en 4 ans, justement, il peut s'en passer beaucoup de choses. Non, mais en 4 ans, on aurait pu l'améliorer, ce traité. Que le grand mensonge qu'on a eu avant, enfin, des mensonges, on en a eu pendant 3 mois, celui du fait qu'on ne pourrait pas discuter, on ne pourrait pas se remettre autour de la table, que la Constitution était cuite, que l'Europe était morte. Hier, en direct, le président de la Commission européenne, le président du Parlement et le président de l'Europe ont tous dit exactement l'inverse de ce qu'ils avaient dit pendant 3 mois. Donc, ces mensonges-là, personnellement, ça a compté, c'est vrai aussi, j'en ai marre. On n'a pas encore entendu Jean-Luc, je vous signale. Non, mais on n'a pas entendu, surtout Valéry Giscard d'Estaing, j'ai des nouvelles. On a retrouvé sur la plage britannique un accordéoniste amnésique. C'est tout ce que je voulais dire. Là où Christophe a raison, c'est que la majorité des Français ont choisi de voter non hier, qu'il faut respecter ce choix, mais qu'en fait, absolument, cette élection d'hier, ce référendum d'hier, ressemble, et c'est ça qu'il faut tirer comme leçon, ressemble étrangement à ce qui s'est passé en 2002. Ouais. C'est-à-dire que de 2002 à 2005, aucune leçon n'a été tirée par aucun parti politique. Absolument. Mais c'est exactement la même chose qui s'est passée. Sauf que... Et pour, là, peut-être vous contredire, en revanche, mais c'est mon analyse personnelle, il est tout aussi dommage aujourd'hui que la Constitution n'ait pas été adoptée à cause de ça, que Jospin n'ait pas été au deuxième tour en 2002. C'est exactement la même situation. Voilà, c'est tout. C'est un vote de mécontentement. C'est un vote sans Arrêtez, arrêtez d'insulter les gens qui ont voté. Mais c'est pas insulter les gens. Je ne les insulte pas les gens qui ont voté. Hier, pendant toute la soirée, on a entendu « Mais non, je ne vais pas me taire. On a gagné !» Je suis consternée par ce vote qui, effectivement, a été un vote sanction. Mais les Français ont voté pour de mauvaises raisons. Il ne s'agissait pas de sanctionner Giscard, Chirac ou qui que ce soit. Il fallait voter pour l'Europe ou contre l'Europe. Les gens ont tout mélangé. Mais c'est un ramassis de conneries. Mais non, c'est vrai. J'ai honte. Je suis... Mais attends, à la maison, tu sais qu'à la maison... J'ai honte de la crainte. À la maison, je vais te montrer la taille. J'ai deux petits Européens qui sont grands comme ça. Puisque moi, je suis marié avec une Grecque. L'Europe, je sais ce que c'est. Donc ne me dis pas que je suis anti-européen. Mais oui. C'est comme les mecs qui disent... Mais je sais ce que c'est que l'Europe. Je sais très bien les différences qu'il y a, par exemple, entre la Grèce et la France, je le sais. Le salaire moyen en Grèce, je le connais. Les difficultés des Grecs, je les connais. Ne me parle pas de ça. Je suis sûr qu'autour de la table, le plus européen de nous, c'est, je suis le plus européen. Donc arrêtez. Je vais me remaquiller plutôt que d'entendre tes conneries. D'accord, on annule ce référendum. Le débat continue. Le débat continue. Il y a quand même un autre grand gagnant ce week-end, c'est Nicolas Sarkozy, parce que lui, il a quand même moins de problèmes avec son oui à l'Europe qu'avec son oui à Cécilia. Lui, c'est pas le plan B qui l'a ennuyé la semaine dernière, c'est plutôt le plan Q. Mais heureusement,
Heureusement, pour faire taire la rumeur, hier, à Neuilly-sur-Seine, oui. Cécilia et Nicolas Sarkozy sont allés ensemble voter pour redire oui l'un et l'autre devant tout le monde. Mais hier soir, c'est un véritable programme électoral que Nicolas Sarkozy a présenté aux Français. Gros suspense, donc. Chirac va-t-il nommer Sarkozy à Matignon ou lui préférer Dominique de Villepin pour lui déclarer la guerre ou même, on en parle, Madame Michel Alliot-Marie. Mais attention, le président Chirac a toujours une botte secrète. Mieux que ces deux dernières solutions, s'il veut vraiment emmerder Sarkozy, Chirac, il va nommer une femme à Matignon, mais c'est celle-là. C'est Cécilia qui deviendra Premier ministre. Le seul et grand vainqueur, finalement, le seul et grand vainqueur du Grand Prix d'Europe ce week-end, eh bien, c'est Fernando Alonso, le pilote espagnol qui a réussi à battre un pilote finlandais sur un circuit allemand avec une voiture française. Loin du oui et loin du non, il est le premier pilote à avoir compris que l'Europe tournait en rond. Bravo. Et on termine par la grosse déception du week-end, Amélie Mine-Mauresmo, battue par la jeune Serbe Ana Ivanovic. En fait, grâce à Yannick Noah, Amélie ne joue pas mieux au tennis, mais elle chante mieux maintenant, il paraît. Est-ce la baguette magique de son frère Harry qui a transformé la chanson de Daniel Potter « Bad Day » en succès? Toujours est-il qu'aujourd'hui, Daniel Potter est la nouvelle coqueluche des Français. Son album éponyme, porte son nom, sorti au mois de février, fait un carton et vous avez forcément entendu son dernier single « Jimmy Gets High ». Single qui sort après effectivement cette chanson Bad Day qui est un énorme succès. On va regarder ensemble quelques extraits du clip pour vous resituer celui qu'on reçoit maintenant, Daniel Potter. Et son bonnet. J'aurais été déçu si vous ne portiez pas ce bonnet. On t'a reconnu, Derek. Yeah. Toujours, vous le portez? It's my, like my security blanket. Bon, c'est un petit peu ma sécurité, je le porte tout le temps. C'est par timidité, il paraît que vous êtes un grand timide. Oui, I'm pretty nervous right now. Bon, je suis un petit peu inquiet là, à l'heure actuelle, mais bon. Alors, vous avez le temps de vous reposer, puisqu'on va d'abord regarder ensemble un extrait de cette chanson que tout le monde fredonne, Bad Day. Because you had a bad day. Enchaîné avec le nouveau titre, Jimmy Gets High, ça a l'air pas mal aussi, hein. Merci en tout cas d'être sur notre plateau ici en France. Il faut dire que les Français... Merci de me recevoir. Les Français, pour une fois, alors là, on est des précurseurs par rapport aux Américains. C'est-à-dire que vous avez d'abord du succès chez nous avant les États-Unis. Oui, c'est vrai. En fait, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir me lancer ici. Je pense que c'est un pays vraiment extraordinaire pour faire ses débuts, d'ailleurs. Et puis, il faut voir aussi que l'entreprise française qui me soutient ici m'a grandement aidé. Donc, j'essaie de revenir aussi souvent que possible. Et puis... Je suis maintenant dans mon pays préféré, qui est la France. Comment vous avez trouvé ça, Elsa? Alors moi, j'ai adoré parce que je suis une grande fan de Supertramp. Et votre musique m'a un petit peu fait penser aux belles heures et aux belles années, surtout de Supertramp, avec un petit côté Elton John dans les années 80. L'époque de Logical Song. Ouais, right. Donc j'adorais. Yeah. Et je vous aime bien, merci. Vous, mais quand j'ai découvert votre bio, vous déclarez assez aisément que vous êtes mais d'une extrême timidité. Vous allez même jusqu'à dire que lorsque vous êtes au restaurant et que vous traversez une allée, vous regardez vos pieds, vous manquez de vous prendre un mur. Est-ce que c'est pas un peu être maso que d'avoir envie de faire une carrière en tant qu'artiste? Écoutez, je suis quelqu'un d'un peu bizarre, peut-être, c'est vrai.
En fait, je me sens à l'aise quand je fais de la musique, mais sinon, j'ai toujours vraiment des peurs profondes. J'ai peur des gens, j'ai peur de la foule. Mais bon, quand je suis sur scène, ça va mieux. J'ai l'impression que je me transforme. Et c'est un petit peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde, je sais pas. C'est un petit peu comme si j'avais les yeux qui se retournaient, qui venaient rentraient dans mon cerveau, puis que j'avais un nouveau visage qui apparaissait. Mais bon, je préfère chanter plutôt que de parler de ma musique, en tout cas, ça c'est sûr. À propos de vos yeux, quand vous changez de lentille, vous changez de couleur de bonnet? Oui, absolument. Perry Cochin. Ah, moi j'ai adoré l'album. Mais je voulais savoir si vous avez des cheveux sous le bonnet. I have a big scar in the back. Oui, écoutez, j'ai une grosse cicatrice à l'arrière de la tête et donc c'est pour ça au départ que je porte un chapeau ou un bonnet quand je sors. Alors, la maison disque me dit toujours, il faudrait que tu te laisses pousser les cheveux, mais bon, je ne fais pas toujours ce qu'ils me demandent de faire. Il a une grosse cicatrice parce qu'il y a eu un pianiste amnésique, on le sait, il y a un pianiste trépané. Bon, alors voilà, c'est... c'est terrible. Je trouve franchement... Zéro défaut, hein, l'album pour moi, bon, je ne suis pas une grande professionnelle, mais je trouve que la photo qui est sur l'album n'est pas à votre avantage, franchement. Je vous trouve beaucoup plus beau en vrai. Ah non, je ne sais pas ce qu'il vous faut, alors. Ouais. Ah, ben, je trouve qu'en vrai, il est beaucoup plus beau. Là, il est un peu blafard sur cette photo. Je trouve qu'il est plus beau en faux qu'en vrai, moi. Ah, non, vraiment. Et alors, c'est bien. Donc, j'enchaîne. Franchement, la couleur de ses yeux, là... Ouais. Excuse-moi, elle est traficotée. Changez avec moi, Christine, vous allez voir, il a de très beaux yeux. Attends, venez ici, mais il est ici, vous allez voir. Ce garçon. Très beaux yeux, il a de très beaux yeux, allez voir de près. Mets tes lunettes. Et Christine, elle sent un sale coup. Non, c'est parce trop que gentil. J'adore présenter des gens timides à Christine Bravo. Je sais pas, peut-être que, un petit peu la même couleur que les vôtres right. D'ailleurs. Restez là, asseyez-vous là, Christine, ça va vous rappeler le bon temps. Allez-y, allez-y. Alors, qu'est-ce que vous vouliez pour... Non, ce que je voulais dire, c'est que j'avais commencé... Si c'est important, hein. C'est important. J'avais commencé graduellement en disant qu'il était plus beau en vrai qu'en photo. Parce que j'ai lu qu'il était très timide et que jamais il ne faisait le premier pas envers les filles, même quand elles lui plaisaient. Qu'il attendait que les filles viennent vers lui et fassent le premier pas. Ça va bien exciter Christine. Donc voilà. I'm not a very... Voilà. Le palo. Oh Christine, moi, attends. On veut 5. On couche ou on couche pas? Parce que si on couche pas, ça il est couvert. Hein. Si on couche pas, ça sert à rien de s'embrasser. On est d'accord. Il faut lui sauter dessus, il a dit. Dans la doc, il l'a dit. Là, on voit vraiment qu'il est timide maintenant. Hein. Ah, mais c'est terrible. Il est très mal à l'aise. Non, il est peut-être clairvoyant. Jean-Luc. Non, l'album est formidable et c'est le mec qui énerve justement parce que peut-être qu'il va pas vers les filles, mais à mon avis, les filles vont vers lui. Parce que t'es dans une soirée avec un mec comme ça, il se met au piano. Toutes les filles partent avec, toi tu te chopes que les sourdes et il te reste plus que ça. Donc ça c'est magnifique. Et une dernière chose, vous ne la connaissez pas, mais si elle vous embête, il faut taper derrière la tête. Voilà. Non, moi je veux dire, total respect à Daniel Potter. Retenez son nom quand vous voulez draguer un mec. Alors je vais vous expliquer, ma fille qui a 12 ans, quand elle a su que vous veniez aujourd'hui, m'a dit, mais maman, je t'avais dit que si un jour il venait, mais tu te rends pas compte. Ramène-le à la maison. Hein, elle dit. Et je voulais que vous passiez me disiez soir. Si vous savez que vous avez des fans si jeunes. Elles vous écoutent, elles chantent vos chansons mot à mot. Ah, mais tu dragues pour toi ou pour ta c'est fille là, j'ai pas compris. Mais c'est fantastique. Christophe à l'évêque. Eh bien, Daniel et moi, nous avons les mêmes problèmes, puisque moi également, je suis également très timide. Et j'attends également que les filles viennent vers moi. Et d'ailleurs, il faudrait que ça, peut-être un peu moins ça bon vienne. Aussi. Et Daniel, vous jouiez avant du violon. Exact. C'est bien ça, jusqu'à 14. Right. Et
quand ouais. Daniel s'est mis au piano, parce que ça, c'est quelque chose que je connais bien, tout ouais. d'un coup, les filles sont tombées comme des mouches. Ah bah oui, c'est pas quand. Je dis ça, moi, j'ai fait 12 ans de piano, c'était mes années Rocco Siffredi. Parce que le piano, alors le problème du piano, c'est qu'on ne peut pas le transporter partout. Voilà. Ouais. À moins d'avoir... Donc on est obligé de se taper sa femme. Ouais. Voilà. C'est ça. Chérie, si tu nous écoutes, c'est, tout ça est totalement faux. Voilà, et je voulais vous poser une question, parce que c'est vrai que le disque marche beaucoup. Moi, d'abord, j'ai adoré ce disque, et je trouve que c'est beaucoup plus Beatles que Supertramp. Ah, pourquoi vous l'avez mal pris, Supertramp? Quand tu vas en prendre une super trompe, tu vas voir. Laissez les réponses. I like both. I listen to both. Non, moi j'aime bien les deux groupes, après tout. Je les ai écoutés beaucoup, j'écoute beaucoup Super Trompe, mais bon, faut bien voir que j'ai grandi plutôt avec de la musique Motown quand j'étais gamin, quand j'étais très jeune. Donc j'écoute ce type de musique, oui. Daniel Potter, DP, hein, on peut vous appeler DP, et en tout cas c'est un album qui va marcher, puisque la première chanson, Bad Day, on la connaît tous déjà. La nouvelle a l'air déjà très très bien, Jimmy Gets High. Merci d'être venu sur notre plateau. Christine va vous saluer et vous remercier avec une dernière question peut-être, et vous allez devoir vous séparer tous les deux, je ne sais pas comment on peut faire, mais bon. Thank you for having me. Merci de m'avoir accueilli. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Some of you. Daniel Potter était notre invité pour la première fois. Merci et bravo. Nous allons maintenant accueillir, pour terminer cette émission, l'inusable Geneviève de Fontenay. Elle va être accompagnée par sa fidèle Miss. Et oui, il y en a des fidèles, des Miss, dès qu'ils n'ont jamais posé nu dans des magazines cochons. Elle, Sylvie Tellier, qui a écrit ce livre avec Madame de Fontenay, enfin, lui a posé les bonnes questions en tout cas. Sylvie Tellier, elle continue à dormir avec sa banderole par respect pour l'institution Miss France. Ensemble, Geneviève et Sylvie ont écrit Sans compromis. C'est paru la semaine dernière chez Michel Lafon. C'est un livre dans lequel Madame de Fontenay nous raconte sa vie et se met totalement à nu. C'est honteux, monsieur, c'est honteux. À tel point qu'elle a failli s'auto-suspendre pendant 6 mois. Recevons tout de suite, pour la sortie de ce livre Sans compromis, Madame de Fontenay et Sylvie Tellier. Geneviève, elle m'embrasse. Ah, oui. Toujours. Je vous en prie, Geneviève. Geneviève, pardon de vous dire ça, vous êtes encore très jolie, évidemment. Ouais. Mais alors là, vous étiez canon, hein. Ah, ben... Maintenant, vous êtes plus boulée, mais à l'époque... Non, mais pas boulet au sens... Bon, ça va. Non, mais vous êtes tout le temps là, partout, et maintenant un bouquin en plus, alors. Bah, pourquoi pas? C'est Sylvie qui a voulu le faire, je précise quand même. Hein. C'est Sylvie qui a posé les bonnes questions. Bah, j'espère avoir posé les bonnes questions, mais c'est vrai qu'elle a été dure à convaincre. Hein, Est-ce que vous avez posé des questions vachardes, des questions... J'ai essayé justement de ne pas faire un livre condescendant, et je pense que le système de l'interview est pas mal, parce que j'ai pu la piquer un petit peu, enfin... Essayer de la provoquer sur certaines questions. Oui, alors dites d'autres. Évidemment, la France. Hier, j'étais devant mon poste. Bah, je zappais. Pourtant, évidemment, je regardais essentiellement France 2. Mais quand même, j'ai zappé entre France 2, TF1, LCI, France 4, tout. Je voulais avoir votre réaction. Quand même, on a vu le président de la République, on a vu François Hollande, on a vu... Bah, je te dis tout de suite que j'avais voté non. Mais ça, je savais, mais je voulais un commentaire. La France attendait un commentaire de Madame de Fontenay. Bah, disons que la France d'en bas ne veut pas de l'Europe d'en bas, en gros. Voilà. Ça veut dire quoi, l'Europe d'en bas? Ça veut dire l'Europe des gens qui ne sont pas privilégiés, des gens qui cherchent après le travail, qui cherchent après une reconnaissance, qui cherchent après une meilleure vie. Voilà. Donc c'est pas la France d'en bas, veut pas l'Europe d'en haut, alors, plutôt. Oui, je veux dire que c'est ça que j'ai voulu dire. Ah, voilà, je comprends mieux. Bien sûr, écoutez, moi... Vous avez bien fait de ne pas faire de déclaration hier, alors, finalement. Pierre. Avant que vous faisiez ce cafouillage, oui, j'allais vous dire que vous avez découvert dans ce livre et vous avez trouvé formidable. Alors, je vous dis franchement, j'avais une petite attirance pour vous, déjà, mais uniquement physique. Mais là, maintenant... Intellectuelle.
Et maintenant, c'est intellectuel, parce que, bon, j'avais une attirance, c'est pas mal quand même, cette femme qui personnifie tellement le côté ringard de la France, mesdemoiselles, miss et tout ça, et qui disent des choses si intelligentes que chaque fois que vous avez parlé, et de la guiller, c'était marrant, vous mettez les pieds dans le plat, vous n'avez rien à foutre, vous êtes une non-conformiste, vous avez l'image du conformisme, oui. Et vous êtes une non-conformiste totale. Oui. Et quand on lit votre vie, avec votre mari, cette sorte de vie de bohème, un peu, peu avec des, un peu, en fait, vous êtes une gitane, quoi. Oui, vous étiez sur les routes avec une passez pas par Perpignan en ce moment. Bon, avec une vieille bagnole. Voilà. Mais quand on dit quelque chose de gentil, vous lui coupez la parole. Sincèrement, vous qui êtes intelligente et tout, quand vous dites une telle a montré ses fesses, elle sera privée de couronne et privée de banderole pendant 6 mois. Vous vous dites pas qu'est-ce que je suis conne. Qu'est-ce que... Non, sérieusement. Non, sérieusement. Mais non, puisque madame de Montaigne... Vous y croyez pas une seconde. Pas du tout, non. Non, 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 non. Moi, je dis, je considère que nous avons ce qu'on appelle des parties intimes. Oui. Eh bien, moi, je ne comprendrai jamais comment des femmes peuvent les exhiber devant un appareil photo ou une caméra. Oui, mais écoutez, oui, mais... D'autant jamais je pourrais comprendre ça. Non, mais si vous étiez gardienne du dogme, je comprends. Mais non, vous êtes quand même la plus grande montreuse de nichons de France, madame. Mais oui, mais il faut bien le dire. Mais oui, quand on fait Miss France, on y va pour faire... Oui, mais elle ne porte que des panties, c'est ce qu'on apprend. Ah, ça, j'ai appris. Ça, c'est énorme, cette histoire. Oui, jamais de string, jamais sans culotte, jamais... Mais comment vous faites? Non, mais attends, le string, c'est relativement récent aussi. Vous n'êtes pas de la génération string non plus. On peut aujourd'hui, elle est avec les temps, regarde, elle est très branchée. Je suis plutôt la génération petit bateau, comme on dit. Christine. Vous avez vécu donc avec un mec qui avait 24 ans de plus à une époque où c'était pas du tout aussi bien vu qu'aujourd'hui. Vous avez suivi votre mec à peu près dans toutes les galères. Vous n'avez pas eu de blé. C'est vrai. Vous avez... Vous avouez que vous n'avez pas élevé vos gamins. Qu'étant donné qu'il fallait faire les galas, aller sur les routes, on n'avait pas les moyens d'avoir quelqu'un pour s'en occuper. Oui, mais Geneviève, en fait, vous en avez eu deux, hein, qui s'appelle Ludovic, donc, dont on apprend qu'il est mort jeune, et Xavier. Et Xavier a été élevé par sa tante Marguerite. Donc vous n'avez pas rempli ce rôle de mère que vous auriez normalement dû, vu votre génération, remplir. C'est un parcours très atypique. Et n'empêche, malgré tout ça, quelquefois vous avez des propos tellement conformistes, de béni oui-oui insupportables, je trouve que c'est en décalage, en total. Pourquoi béni oui oui? Béni oui oui, c'est-à-dire. Celui-là. Par exemple. Je suis Lorraine, je vous le rappelle. Vous dites un truc. Autrefois, les femmes portaient des serre-tailles, des gaines. Aujourd'hui, les filles ne mettent plus rien, à peine un soutien-gorge. Ouais. Alors, la poitrine tombe plus rapidement et la taille s'épaissit. Bah oui, puis après, elles vont faire la chirurgie. Mais non, pas du tout. J'ai jamais porté de soutif de ma vie. Vous êtes un cœur. Vous êtes une exception. Vous êtes une exception, ma chère, mais si vous faites de la course à pied, si vous sautez avec votre poitrine qui saute je en même temps, les fibres... Montrez comment elle saute, la poitrine. Hop, j'ai le sac. J'ai le sac. Vous n'avez pas été très rancunière, parce que lorsque vous avez été élue, Geneviève de Fontenay a quand même dit « merde ». Elle ne voulait pas que ce soit vous, et pourtant c'est vous qui écrivez sa mémoire aujourd'hui. Est-ce que c'est une façon d'être plus proche d'elle? Est-ce que vous avez mal vécu finalement le fait de ne pas être acceptée comme les autres en tant que Miss tout de suite? J'ai assez mal vécu. Sur le moment, c'est vrai que vous arrivez, vous participez à une élection, vous êtes élue Miss France, et la patronne ne veut pas de vous. C'était un peu ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui vous déplaît dans cette jeune femme qui est ma fiancée depuis 2 jours? Non, mais rien ne me déplaît. Je voudrais vous le dire. Rien ne me déplaît chez Sylvie. Voilà. Pourquoi vous n'en avez pas voulu? Non, mais elle sait très bien, Sylvie, d'où ça venait. C'était parce que avant l'élection de Miss France, elles font un voyage souvent, auquel je ne participe pas. Et c'est ma moitié, Geneviève Leblanc, qu'on appelle la fée clochette qui et tout ça. Qui nous pique les fesses. Voilà. Il n'y a que des Genevièves? Il y en a deux. C'est un nid de Geneviève? Il y en a deux. Et après, elle me fait un rapport en disant « Oui, tu sais, celle-là... » Vous avez des rapports avec vous, Geneviève? Oh, arrête un peu tes conneries, toi, bon.
elle fait un rapport, ben celle-là, elle a un caractère difficile, elle est ci, elle est ça. Bon, alors Sylvie, elle avait dit, oh, elle a du caractère, elle a un caractère et tout, si jamais elle est Miss France, tu vas en baver. Bon, c'est tout. Ah. Ça n'a pas été plus loin que ça. Merde, c'était plus loin que ça. Merde, je vais en chier, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se fier à ce qu'on peut dire, il faut toujours être présente et se rendre compte soi-même des choses comme ça. Et finalement, j'ai passé une très bonne année avec Sylvie. Et maintenant, le résultat est là. Elle a écrit le livre. Quelle preuve de reconnaissance je peux avoir avec elle, mieux que celle-là. Perry Cochin. Alors, il y a tout un passage sur votre fils, Xavier, que tout le monde connaît, parce qu'on le voit systématiquement dans tous les événements. Mais je n'ai pas bien compris, à un moment, vous dites qu'il vous a souvent rappelé à l'ordre en disant que s'il n'avait pas été là, vous seriez sous les ponts aujourd'hui. Et ça, je ne comprends pas très bien, puisque vous aviez commencé cette activité avant lui. Ah ben oui, bien sûr. Justement, alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vous avez perdu les pédales à un moment, il vous a remis dans le droit chemin. Non. Non, mais bon, je ne veux pas. Vous savez, Xavier, on l'attaque souvent injustement. C'est un garçon très, très intelligent. On dit qu'il couche avec toutes les filles. Ah, c'est pas vrai. Non. Il n'a pas eu. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. C'est un qu'on perdu, c'est tout. Non. Ah, bon, d'accord. Non. C'est un bon père de famille. J'ai un boulot pas très marrant si en plus on ne se tape pas les miss. J'ai bien compris une chose, c'est que Sylvie, par contre, respectait les contrats, donc une Miss n'a pas le droit de se déshabiller avant 5 ans. Avant 5 ans, oui. Vous êtes fait élire en quelle année, c'est pour savoir. Moi, j'étais en 2002, donc j'ai encore... Deux ans à attendre, ok. Christophe Alévèque. Alors, le livre, je dois vous avouer que ces derniers temps, j'étais assez occupé avec un autre livre que j'ai lu jusqu'à dimanche 22h pour être sûr de ne pas me tromper. Et ne pas être mené par la colère. Donc je l'ai simplement parcouru. Par contre, une chose m'a choqué, c'est votre position sur les strings que vous trouvez vulgaire, alors que le regard des hommes a totalement changé vis-à-vis des femmes depuis qu'on voit un peu plus leurs fesses. Et je trouve ça beau. La tête quand même, je sais pas moi. Bon, franchement. Bah, la tête, j'ai essayé tout ce que j'ai pu, hein, vous y allez, vous prenez le relais. La tête, on la regarde après. Ne soyons pas hypocrites, les hommes qui disent « Qu'est-ce que je te regarde le premier ? C'est une femme, ses yeux, et moi, mon c'est cul !» Celui qui a partagé ma vie, il a d'abord regardé ma tête. Il faut rien lui dire, il a gagné les élections. Bon. Oui. Non, n'en rajoute pas, je vais avoir une érection. Alors, par contre, Sylvie, je vous trouve assez égoïste sur le fait de ne pas vouloir vous mettre nue dans les magazines. Vous pensez qu'à vous, pensez un peu... En plus, j'ai pas voté non, donc je vais peut-être y aller. Voilà, pensez un peu à... mon Dieu, sortez. Un jour, si vous avez une petite fille... Franchement, est-ce que ça vous plairait de la voir comme ça, étalée, avec d'autres qui ouvrent leur cuisse? C'est bien pour ça que je fais deux garçons. Bon, eh ben même. Mais même votre femme. Mais elle fait ce qu'elle veut, petite fille, mais à condition qu'elle réussisse à sortir de la chambre fermée à clé. Alors, je voulais juste vous poser une question. Vous êtes non-croyante, on est bien d'accord? Oui. Voilà. C'est faux. Je crois à rien. C'est faux. Ah. C'est faux, puisque vous avez déclaré, donc, vous parlez de votre ancien mari, qui s'appelait Louis, qui est mort en 1981, comme les idées de gauche. Et le jour et du face-à-face Giscard Louis Mitterrand, oui. A été mon premier, mon seul amour, et son souvenir m'accompagnera jusqu'à ma mort. Donc, ça fait 24 ans que... Bah oui. Vous êtes rentré dans les ordres, finalement. C'est mon problème, ça vous regarde pas, de toute façon. Enfin, tu peux avoir la tête remplie de souvenirs, avoir du monde à la maison, c'est pas incompatible. Hein. Vous appelez ça comme ça, vous. C'est très joliment dit. J'admets une petite aventure, quand même. Non, pas d'aventure. Et voilà. Pourtant... Elle pourtant. Dit pire que ça, elle dit... Et je suis sûr que vous êtes sollicité, pourtant. Est-ce que vous êtes sollicité? C'est-à-dire que je sens bien que je laisse passer certaines personnes indifférentes, mais ils sentent bien que je ne suis pas, que je ne suis pas en recherche ni en attente. Alors vous êtes une allumeuse, Geneviève. Non, je suis pas allumeuse. Ah si, cette façon que vous avez d'exciter les hommes en faisant de la pub pour ce matelas sur lequel vous... J'étais habillée et tout. Hein. Franchement, le chapeau sur la tête et habillée, alors là, il fallait vraiment avoir des fantasmes. Ah non, moi, je suis... 49 ans, vous avez arrêté... Toute vie sexuelle et toute vie affective. Mais 49 ans, c'est mon âge. Elle ne va pas vous le dire. Eh bien, ça serait bien que t'arrêtes aussi. Non, mais Geneviève.
Est-ce que vous aimez la world food, Geneviève? Qu'est-ce que ça? L'alimentation venue des pays du monde entier. Non, je suis très, j'ai le palais très français, moi. Oh. Très, très français. Oh. Ah non, je suis très, très classique. On va quand même tenter, grâce à Jérôme Bonaldi, de vous faire goûter. Ah, bah Jérôme, ça c'était... Ah, si c'est Jérôme qui l'amène. Ah, bah ça. Voilà, voilà le futur mari de Geneviève de Fontenay. Jérôme Bonaldi. Bonjour Jérôme. Café. Ah ben ça tombe bien. Ça c'est world food. Avec un petit sucre. Voilà, demi sucre. Ça le café, trop, ça vous va, hein. C'est de la world food. Il n'y a pas de café en France. Il vient de Sumatra. Goûtez. Ah. Désolé, j'ai un petit peu attendu. Vous avez été très bavard. Il est peut-être un peu tiède. Il n'est pas assez chaud. Voilà. Ah, je suis désolé. Ce café vient de Sumatra. C'est sans doute l'un des cafés les plus rares et sans aucun doute l'un des cafés les plus chers qui soit. Et mon verre d'eau, c'est pas que je vais chercher. Goûtez tous d'abord. Vous sentez la, vous goûtez les flaveurs, le caramel. Vous sentez. Moi, je goûte pas, non. Alors, moi, je bois pas de café. L'idée, elle est très simple. À Sumatra. Mais ça sent le café, hein. C'est du café. Oui, c'est du café. Il y a des caféiers, caféiers sauvages qui se baladent un petit peu partout. Et dans cet univers sauvage, il y a des petites bêtes sauvages, en particulier les civettes. Les civettes, c'est la cousine du putois. Vous voyez le genre? Ah, ça donne envie, voilà. Ça fait, voilà. Ça sent mauvais. La nuit, elles prennent, elles mangent les meilleurs grains de café. Elles en mangent, elles en mangent, elles en mangent. Elles ont l'estomac plein de café. Et elles font des crottes qui sentent le café. Le matin, alors qu'il a fait chaud, les gens de Sumatra, ils viennent, ils ramassent les crottes. T'es malade. Tu déconnes. C'est pas plus rigolo. Ça, c'est le chiffre. Alors, Pierre, il est bon, ce café? Vous êtes en train de nous dire qu'ils viennent de boire de la crotte de putois. Bah, c'est bien. Non, un café magnifié, c'est très bon, par le tube digestif de la civette. Mais c'est pas dangereux, les aisselles. Absolument aucun danger. Aucun danger. Je peux vous dire, en tout cas, c'est pas de la merde. Hein, il est non. Non. Alors, ça coûte 33 euros les 57 grammes. C'est un grand magasin qui vend ça en ce moment. Oui. Non, mais c'est n'importe. C'est très rare, très très rare. Voilà. Je vous propose une sucette. Vous la connaissez? Hallucinogène. Comment? Elle est hallucinogène. Il y a un petit verre de terre hallucinogène. Non, c'est pas celle-là, tu sais. Elle est, regardée avec un petit scorpion à l'intérieur. On va te la montrer, la sucette. Il y en a une qui est parfumée. Elle a vodka. Ah non, ça j'aime pas. Tenez, et avec un scorpion. Ah non, et l'autre qui est pas elle a tequila. Ah non, attendez. Prenez-en deux, vous avez une grande bouche. Il est là. Et le scorpion. Alors rassurez-vous, hein, c'est croquant. C'est pas nocif. C'est pas du tout nocif. Bien sûr. C'est bourré de vitamine C. Incroyable. Il y a 5 fois plus de fer là-dedans que dans n'importe quel épinard. C'est délicieux. C'est pour vous à sucer peut-être avec Geneviève. Oh. Alors ça c'est quoi? Une boule pour deux, Geneviève. Ça, ça vient du Japon. C'est la sucette avec de la poudre de perles. Ah bah c'est pour vous. La poudre de perles. La poudre de perles de civette. Non, 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 de la perle de la culture. La poudre de perles a une réputation aphrodisiaque. Je vais goûter ça. Voilà. L'idée, elle est... Qu'est-ce qui se passe, là-bas, Elsa? Qu'est-ce qui se passe? Je suce une sucette, ça fait marrer tout le monde. Sa sucette, mais n'importe quoi. On dirait qu'elle le fait exprès. Allez-y, elle là, le fait exprès. Mais pas du tout. Il y a Pierre qui me dit des cochonneries depuis tout à l'heure. Ça a l'air, d'être un cafard, ton scorpion, quand même. Ça ressemble méchamment à un cafard. T'es sûr que c'est un scorpion? C'est un vrai scorpion. Jérôme, c'est fini? Juste pour vous montrer, école de tolérance et de découverte, comme on peut pas les moyens d'aller partout dans le monde, pourquoi pas voyager et manger en mangeant? Ça s'appelle le cabinet des curiosités culinaires, il y a tout ce qui se fait en vrai dans le monde. Dans le monde entier. Tout se mange, en fait. Quasiment tout se mange. Et dans le monde entier, il y a au moins un pays où on mange des trucs bidules. Par exemple, je vous donne une recette. Le fœtus de canard au sel. Oh, ça c'est extraordinaire. C'est un œuf à la coque, mais mariné 15 jours, le petit fœtus avec un peu de sel. Si parce que sinon... C'est sympa, si on n'a plus du tout envie que les gens viennent manger chez nous, je pense que c'est la bonne affaire. La salade de clitoris d'éléphant aussi. Non, mais il y a la salade de lèvres de morue. Mais j'en étais pas loin. Allez, on applaudit Jérôme Bonaldi. Merci Jérôme. C'est pas fini, à garder tout ça, parce qu'on a encore une invitée à recevoir sur ce plateau. Ah on avait une surprise pour vous, Madame de Fontenay, parce que vous le savez, des tas de jeunes filles rêvent de devenir Miss un jour. Oui. Et il y a même maintenant des préparatrices de Miss qui vont les aider peut-être un jour à devenir Miss France. La preuve, nous allons accueillir Brigitte, préparatrice de Miss. Bonjour.
vous en prie. Bonsoir à tous. Bonjour. Bonjour madame, donc je me présente, je m'appelle Brigitte, j'ai eu 25 ans à une époque. Et en fait là je viens de monter un centre de formation préparatoire au concours des Miss France. En fait je m'occupe un peu des prémices. C'est parce que... Ça bouillonne dans la cafetière. Hein. C'est parce que vous, j'imagine vous voulez aider les jeunes filles, elles ont besoin d'aide. Oh, je pense, tout à fait. J'ai remarqué que certaines avaient des qualités qui leur faisaient défaut. Ah. Notamment l'élocution. Ah. Très important l'élocution pour savoir bien parler sûr. Et ne pas faire de faute d'orthographe à l'oral. Ah. Donc moi en fait, je leur propose de leur inculquer ça quoi. Mais je pense que parfois il faut pas rechigner à se faire inculquer quand on sait pas des trucs. Non mais c'est vrai, voilà. Et comme ça je pense que plus elles sacheront s'exprimer, voilà, plus elles seront sûres de se débarquer des autres candidats, ah, oui, oui, ce oui. qui est très important. Mais alors Sylvie Tellier me demande là, mais ça consiste en quoi les cours? Parce que si elle avait su, elle il serait allé avant. Bah, oui. Enseigner des choses. Ah oui. D'accord, laisse tomber. Alors donc, je leur apprends des tas de choses, notamment à s'aimer elles-mêmes. Ah. Car ne dit-on pas, aime-toi, le ciel t'aimera. Donc je leur conseille tous les matins de se regarder dans une commode et de se répéter, tiroir, tiroir, dis-moi que je suis la plus belle. Mais il faut que la commode soit bien... Il faut que la commode soit bien lustrée, ah bah sinon oui. ça ne marche pas. Évidemment. Voilà. Ensuite, je leur fais passer des tests de QI. Donc notamment, donc d'abord, il y a un QI mathématique que j'ai appelé le QI numérus. Et après, un QI sur les langues étrangères, le QI lingus. Oui, évidemment. Évidemment. Et alors, chose importante, chose importante, quel conseil donnez-vous aux Miss pour leur garde-robe? La garde-robe, hein, je pense qu'il faut prendre la ligne 1, changer à Bastille. Non, ça c'est la gare de Lyon, n'importe quoi. Non, la garde-robe, je ne sais pas, il faut demander un taxi, moi je ne connais pas. Mais je vois pas le rapport, Laurent. J'ai un peu de mal. Est-ce que, alors, parce que là, Mme de Fontenay s'intéresse, elle ne savait pas qu'il y avait une préparatrice de Miss. Est-ce que vous avez eu des gagnantes parmi vos élèves? Alors, non. Mais en revanche, je m'occupe bien d'elle. C'est-à-dire qu'à l'issue du concours, moi, je m'occupe quand même de réconforter les perdantes. Ah oui? Ouais, je les prends sous mon aile, je les... Console? Voyelle. Vous voyez qu'on ne manque pas d'humour et de répartie chez les futures Miss. Voilà. Non, pour conclure, moi, ce que je tiens quand même à dire à Geneviève, c'est que je trouve qu'elle fait un travail formidable en matière d'élection, enfin des élections des Miss, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Je veux dire, dimanche, on nous a demandé de voter oui ou non pour Miss Europe. Et on nous a même pas montré les candidates. Ah, c'est bravo, super. Donc la prochaine fois, j'aimerais que Geneviève s'en occupe. Bravo, oui. Voilà, merci Philippe. Bravo. Florence Foresti. Ah, bien sûr. Préparatrice de Nice. Bonsoir. Je sens que vous avez envie de vous exprimer encore, Geneviève de Fontenay. Alors avec Sylvie Tellier, nous vous invitons à participer avec nous au Qui a déconné. C'était Jean-Pierre Raffarin qu'on avait laissé en tête du Qui a déconné. C'est bien, ça le laissait en tête de quelque chose. Fabius était numéro 2, Giscard en 3, Sarkozy en 4. Je vous propose, pour modifier un peu le classement, Jacques Chirac ce soir. Bah oui, c'est une nouvelle gaffe de Jacques Chirac, ce référendum. Hein, il aurait pu finalement faire ratifier la Constitution uniquement par le Parlement. En même temps, il a choisi la voie la plus démocratique. Hein, mais est-ce que c'est quand même pas une nouvelle balle qu'il se tire dans le pied, Perry Cochin? On met ça ? Clairement, il se la tire dans le pied, la balle, puisque... il espérait certainement autre chose. Pierre ? Mais en se tirant une balle dans le pied, il a permis qu'on tire une balle dans le cœur de l'Europe. Ouais. Voilà. Elsa ? Moi, je pense que sa grande faiblesse, c'est de ne pas avoir cru le premier en son gouvernement en demandant justement ce référendum. Donc, c'est normal que les Français aient suivi. Zéro, évidemment. Qu'il fasse des gaffes comme ça toute sa vie, moi, je serais le plus heureux des hommes. Et si c'est la Chambre des députés qui avait ratifié le traité, je vous signale qu'on aurait ratifié à 80-90%. C'est ce que disait Philippe de Villiers hier. Voilà. Mais tu sais, des fois, t'es d'accord avec des mecs avec lesquels t'es pas d'accord. Ouais. Tu sais, il y a que les cons qui changent pas d'avis, connard. Christine. Idem, fallait pas ce référendum, fallait pas. Fallait pas que le peuple s'exprime, surtout non, pas. Non, il fallait pas faire un référendum. Non. On pouvait faire une armée forte dans les rues. Mais le peuple s'exprime par la voix des députés qu'ils ont choisis. Et ben là, il y a un décalage tellement énorme qu'on en a plus rien à foutre de nos parlementaires. On a envie de parler, nous. Par exemple, sur la question, est-ce que vous acceptez que la Turquie... Enfin, c'est vrai.
C'est vous qui les avez élus, ces parlementaires. Mais oui, mais ils aiment plus. Tu te rends compte du décalage qu'il y a? Bah, c'est parce que vous les avez mal élus. Bah attends, on les a mal élus, on les a pas élus, ou peut-être qu'ils sont sourds et qu'ils nous écoutent plus. Jean-Luc Lemoine. 20 points parce qu'après la dissolution de l'Assemblée, il y a une belle constance dans la loose, mais quand même pas 30 parce que là, pour une fois, il a réussi à faire exploser le PS en plus. Ouais. Ah, c'est vrai. Ça, c'était peut-être le but recherché au départ. Donc c'est pas complètement négatif pour lui. 20 points, vous ? Ça, c'est vrai. Bah oui, on met 30 points. Vous êtes d'accord toutes les deux ? C'est vrai qu'il a raison. Pas pour les mêmes choses. Moi, je dirais excès de confiance. Il s'est pas douté que les gens n'allaient pas se prononcer pour ou contre l'Europe, mais contre la politique intérieure. Donc 30 points. Parfait. Total pour Jacques Chirac. 160. Ça fait 690, il passe en deux. Je ne pouvais pas, évidemment, m'empêcher de vous présenter Amélie Mauresmo. Ah, voilà. Une nouvelle fois éliminée, c'est pas moi qui le dis, prématurément. Vous avez raison de la siffler. Je voudrais bien vous voir à la place, hein, pour mettre une balle qui ne soit pas dans le filet. C'est pas difficile, c'est pas facile quand même. Hein. Je joue au tennis, moi, Geneviève. Oui, moi, j'ai joué dans le temps. Hein? C'est un mixte? Oh non, alors vous me battrez, sans problème. Ah ben non, si on fait un mixte, on est ensemble. Non, mais on peut être... Oui, il y a longtemps que vous avez joué. Mais il en faut deux de l'autre côté aussi, quand même. Combien, Perry? Zéro. Attends, c'est affreux ce qui lui arrive tout le temps, comme ça. C'est pas... Pierre. Mais oui, c'est triste. Eh bien, moi, vous savez à quel point je l'aime. Donc, évidemment, je lui mets 30 points. Je lui mets 30 points parce que cette femme, je l'aimais plus qu'il est naturel d'aimer une joueuse de tennis. Je la trouvais belle, intelligente, charmante, touchante. Et elle le sait bien, d'ailleurs. Mais je l'ai vue dans le précédent match qu'elle a gagné. Contre la petite contre de 15 ans. Contre la petite Alizée qui avait 15 ans. Et j'ai vu une sorte de louve qui était là et qui ne lui a épargné aucune souffrance, aucune comment dire, mise en cause de sa jeunesse, comme ça. Eh bien, j'ai trouvé qu'elle méritait d'être punie. Elle a été punie. Elsa Fayer. 30 points. Je sais que Yannick Noah est à ses côtés. J'attendais qu'elle chante une chanson. Elle ne l'a pas fait. C'est pas bien. Amélie. Christophe. Ouais, zéro. Déjà qu'elle perd, on va pas en plus l'enfoncer. Elle a pas marqué plus de joints avec Noah que sans Noah. Christine. Ouais. Zéro. C'est une fille formidable. Oh. On peut pas. C'est pas déconner que de perdre un match. Jean-Luc. 10 points. À Rome, elle avait pas d'entraîneur, elle a gagné le tournoi. Là, elle en avait deux, elle a perdu. La prochaine fois, il faut pas d'entraîneur et pas d'adversaire en face. Geneviève. Combien? Zéro, hein? Oui. Ah. 10 points, voilà. 10 points pourquoi? 10 points parce que bah, si on avait su, elle aurait pu laisser quelques points à Lisée quand même. Ben oui, quand même. Alors ça fait un total pour Amélie Mauresmo. 75, elle monte progressivement. François Hollande. Alors lui, hein, pour lui aussi, ça a été une grosse défaite hier, il faut bien le dire. Hein. Il a confondu militant socialiste et électeur socialiste. Hein, c'est pas pareil. 0, 10, 20 ou 30 points, Perry Cochin. 30 mois parce qu'il n'a pas su faire la police au sein de son parti depuis le début et les mettre au pas. Au pas. Pierre Bénichoux. Moi, je mets 0 points parce qu'il a fait ce qu'il a pu. Il a montré un exemple de dignité hier soir. Et en plus de ça, je ne veux pas trop l'embêter parce que le prochain vote va être négatif aussi. C'est celui de la Hollande. Oui. Alors, il a deux trucs assez emmerdants. Exactement. Ségolène. Moi Ségolène Royal. C'est une association d'idées. La Hollande, ça me fait penser à Ségolène, c'est pour ça. Non, mais je trouve qu'il manque tellement de charisme. Mais il est tellement à fleur de peau. Hier, il m'a fait de la peine dans son discours. On le sentait complètement décontenancé. Et il n'a pas la carrure d'un homme de pouvoir. Et je le regrette parce qu'il a de bonnes idées malgré 30 tout. 30 points. Christophe. 30 000. On sera obligé d'en prendre que 30, Christophe. Vous n'en prendrez 30, malheureusement. Comme dit Andy à Roland Garros, faute, out, jeu, c'était match. Christine. Zéro. Franchement, je l'ai vu hier, je l'ai trouvé d'une dignité, d'une... Je suis tellement triste à cause de ce nom, mais si tu pas veux. Mais dans ces états-là, chérie. Si, ça me... Je suis au bord des larmes, quasiment. Jean-Luc. 10. Hier, dans les émissions politiques, j'ai vu dans les coulisses notre ami Stéphane Pocrin. François Hollande m'a demandé ce matin s'il pouvait remplacer en tant que chroniqueur dans l'émission. Alors Sylvie, elle met 0. Et moi 30. Et vous 30. Ouais. Alors pourquoi 30? Pourquoi 0? Parce que je pense que c'est une erreur au départ d'avoir dit oui de la part des socialistes. Pour une fois qu'il faisait quelque chose de bien. Bon, alors voilà, total pour François Hollande de 115 points. Pas mal. Et voilà, il monte, hein.
On remercie Geneviève de Fontenay. C'est moi qui vous remercie. Et Sylvie Tellier pour 100 compromis, le livre qu'elles ont signé chez Michel Lafon. Merci à toutes les deux. À demain. Merci.